modification au niveau du temps, les inversions, ben là, on connaît. Alors là, on est arrivé quand nous avons d'abord le temps 123 km à 233 km, 223 km. Il s'agit de l'inflation de taux, de l'inflation de la taux, de l'inflation de la taux, de l'inflation de la taux. C'est le temps de Nicolas Lemaitre du BC qui va vaquer Rion. 1.40.331. 1.40.50.560. Voilà, confirmation donc du passage de Anthony. Vincent Pouliquet du VR Quimperois qui vient de passer à deux côtés dans un style particulièrement rageur. Celui-ci précède Arnaud Burban de Loutre Lambeau au Bur. Jacques Voiture, 12 rue de la Résistance. Alors que Julien Autret de Sud-Vanier. Prendre le départ, l'un des favoris dans la catégorie des cadets, lui aussi. On va attendre avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est Thierry Ferré. Alors que passe à l'autre côté, ici maintenant, Thierry Prévost dans la catégorie. Prévost, donc l'un des favoris dans cette catégorie de la Bretagne. Par contre, nous avons la présidence de l'entraînement de Thierry Prévost, 1.39.491. Nous jouons Bretagne, minime sortant, Clément Ginter vient de prendre le départ. Il était précédé par Richard Pesquet, ici à Euro-Vénité. Maintenant, nous avons le gros calibre qui commence à prendre le départ avec Alain Radou, le sauteur coucou sur cette partie. Donc, alors que c'est pour l'instant Alain Radou, le du Finistère senior, celui qui avait terminé 5e à Saint-Laurent. Ce n'est pas uniquement dans la catégorie des cadets qu'il risque de faire des éclats. Cyril Lefebvre vraiment est très bien sur ce parcours de Le Croissy à Kerkloff. Alors que nous avons maintenant Bertrand Hamon et Sébastien Carré, les deux sociétaires du team VC Pélouillat qui sont sur la ligne prenant, et quatrième récemment à Saint-Laurent-sur-Route, passage ici de Bertrand Hamon. Benoît Stoffelet qui avait participé au championnat d'Europe et championnat du monde en 1999 est maintenant sur la clé. Ce n'est pas une surprise. Alain Radou, 1.34.742. Benoît, donc, déjà pour l'instant le meilleur temps. Jean-François, dans un style expéditif, Benoît Stoffelet à nos côtés, qui est le 3, 1.40.553. Probablement le placer dans la deuxième position dans cette catégorie des juniors. Et vient de terminer Bertrand Hamon. De l'ordre de 3-4-5 secondes. Et on va continuer à dérouler cette épreuve avec Léon Simon qui vient de prendre le départ. Le temps de l'élimination, le temps de l'élimination. Emmanuel Lannoy, Odoff 22, dans la deuxième partie de cette... Allez, c'est tout. Combien bon. Je suis pas c'est longtemps. C'est au Far West. Oh, bien, la meilleure... très fortement son temps de 1 minute 10 quand même, hein. C'est d'ailleurs également son temps de 1 minute 10. Peut-être l'amélioration va être importante. Passage à mi-parcours de Sylvain, ensuite ce sera au tour de Julien Meyer de Béton. Et vous avez rendez-vous avec la maison Lenel. Rayon jardinerie, rayon fleurs et cadeaux, sans oublier son service Interflora. La maison Lenay, c'est au 7 de la mairie, à nos côtés. Il précède donc Benjamin Poirier du team Lodéac. Et encore celui d'Adrien Denis de Santerie.
vient de passer celui du 170, Adrien Toarek, qui améliore aussi son temps pour lui. C'est Grégory Junior au passage, Grégory Truffard, le Sud 29 VTT. Dans le Florent Mavon, le 118 de l'ESA Saint-Avé de Pays de Vannes qui vient de passer. Celui-ci précède Guillaume Cresse du VS Quimper. Grégory Truffard. Il va arriver dans quelques instants.
à la cabine de chronométrage. 64 temps de référence pour Benoît Stoclet par rapport à la manche de ce matin. Et une Donc, au concurrent Yann-Olivier Neveno-Racine vient aussi de prendre le départ. Voilà, temps de référence Rémi-Henri Maillère au précédent. Alors que le Quimpérois Vincent Pouligny 405, Éric Quéré. Éric, championnat de Bretagne, descente des DT, cette portion de descente de 800 mètres. Mais résultat trop tôt. Ah oui, tu l'as dit. Non, mais pourquoi il a encore dit. Il a encore dit, il a encore dit. Il a encore dit ouais. Non, voilà, Éric Quéré en pleine action qui semble avoir compris le message par rapport au temps réalisé par Jérôme Coupet. Là, il a dit, il ne faut pas se battre. Faites dégager les vélos là parce que les mecs ils vont arriver morts là. Ah ouais, t'es bien arrivé là toi. Dans l'attente du passage des coureurs en compagnie de l'entreprise de plomberie, chauffage, électricité, vente d'électroménager, la SARS, des établissements Sylvestre Pérépic. À Locomalo pour tous vos travaux de couverture. Réalisé 1,35,488 précédemment. Dans la 4. Allez, Julie, allez, allez, debout, Julie, allez, Julie, allez, t'inquiète, t'inquiète, Julie, allez, non, non, non. Le 4 doit s'appuyer. Alors que sur la piste maintenant Laurent Brault, le champion des Pays Noirs. Et on attend maintenant à l'arrivée Denis Lanoë. On va attendre le temps de Bertrand Aveyron. Auparavant on aura Laurent Brault, le champion de Pays Noirs, qui était également l'organisateur de la défense, Pierre Lecoq, qui est vraiment un prometteur. Alors que le numéro 4 Alain Rayon a pris le départ maintenant. Il a pris le départ à la radio et nous allons attendre l'arrivée donc de Bertrand Aveyron et du 157 tout d'abord et il va Cyril Lecoeur, champion de Bretagne. Alors que Stéphane Tisson va prendre sa place dans la piste. Stéphane Tisson, il est sur la piste maintenant, il est à la poursuite. Alain Rayon, il aura derrière lui de réaliser 1,28,664 lors de la précédente descente. Va faire le maximum pour venir flirter ici avec le podium sur ce championnat de Bretagne. Dans quelques instants, Jean-François, tu vas l'apercevoir sur la ligne d'arrivée. Et l'arrivée de Stéphane Tisson alors que Benoît Collin a fait ce coup de pédale, il serait bien sûr dans le match de match, c'est son incident, vient de servir ses chances sur le podium. Benoît Collin, Benoît Stoclet, Stéphane Tisson, Alain Renaud, Cyril Lecerf, Bertrand Aveyron, c'est là les favoris qui sont passés devant nous. Il nous reste maintenant à accueillir Benoît Stoclet qui avait réalisé une. Benoît Stoclet qui s'approche de la ligne d'arrivée. Et ah là, Jean-François, il faut dire que tu as le don de faire durer le suspense. Ça énerve les nerfs, mais c'est tellement bien. On va attendre l'arrivée de Benoît Stoclet pour dévier le prochain champion de Bretagne de descente, Scratch Denis Lanoë.
25e position avec le numéro. Ha ha ha!
Bien découvert, 98 pilotes formidables de l'île supporter avec donc moi je Dépêche-toi!